nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis clairement pas prêt. Franchement, je tremble des mains. Regardez là ce qui est écrit. Ce jeu contient de vives lumières, des bruits forts et des jumpscares, c'est-à-dire des trucs qui apparaissent sur l'écran pour nous faire peur. Il est déconseillé aux personnes sensibles du cœur, quoi. Comme vous l'avez vu, on se retrouve sur Roblox, mais pas un jeu qui me fait kiffer. On se retrouve sur un jeu d'horreur, non. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis, mais alors, une grosse flippette. Tout ce qui tourne autour de l'horreur. Je ne regarde pas de films d'horreur, je ne regarde pas de séries d'horreur, et je ne joue jamais, mais jamais à des jeux d'horreur, parce que je sais que ça me fait totalement flipper. Mais bon, après de nombreuses demandes d'abonnés, j'ai décidé de me sacrifier et de jouer apparemment au jeu Doors sur Roblox, qui est apparemment le jeu d'horreur le plus connu. Donc c'est parti pour jouer une partie. Je n'y ai jamais joué. La seule fois que j'ai lancé ce jeu, c'était pour faire des petits tests de son pour la vidéo. Du coup, vraiment, on va voir ce que ça donne, mais j'ai trop peur. Oh là là, c'est parti déjà, la petite musique. Oh. J'essaie de me rassurer, je n'ai pas de pièces, donc je peux ne rien acheter. C'est parti, on est arrivé à l'hôtel. Malheureusement, j'ai pas pu acheter de lampe torche. Et là, on se retrouve dans la première porte. En fait, le but, c'est d'arriver à la porte numéro 100. Et là, regardez, on est à la porte numéro 1. Donc ça, par contre, j'ai compris qu'il y a la petite clé ici. Mais il faudrait qu'on trouve dans les petits tiroirs. Je crois que parfois, il y a des briquets, ou en tout cas pour faire de la lumière. Mais ouais, franchement, je suis clairement pas prêt pour ce jeu. Et je vous jure que je flippe. Alors qu'en plus, on est sur Roblox, quoi. Imaginez, je joue un vrai jeu d'horreur. Bon, apparemment, celui-là fait quand même pas mal flipper. Bon, allez, allô le monstre, allô. Bon, il n'y a personne, du coup, je vais ouvrir la première porte. Oh là là, franchement, vraiment, je joue à ce jeu pour vous faire plaisir. Moi, les jeux d'horreur, ça me fait trop flipper. Donc vraiment, si vous pouvez liker la vidéo et vous abonner, en échange, ça fait plaisir. Et on a ouvert la première porte, la numéro 1, et on doit arriver à la porte 1000. Et là, regardez, on peut se cacher dans l'armoire au cas où il y a un monstre. Oh là là, je pense que j'aurais même pas le temps de me cacher dans l'armoire, je flipperais trop. Et déjà, on est dans une salle noire. Oh là là. Déjà, rien que d'ouvrir les portes, ça me fait vraiment flipper. Ok, on a une clé ici. Et on a la clé numéro 2, normalement. Ou non, numéro 3 pour ouvrir la troisième porte. Oh là là, bon. J'ai discuté rapidement avec quelqu'un qui jouait du coup à ce jeu. Il m'a dit qu'au début, il y a peu de chances que quelque chose nous arrive. Donc ça va, pour l'instant, je suis quand même encore assez serein. Ici, il y a un petit crayon. Ah, putain. Oh. Oh là 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 là. Oh, oh mon cœur. Oh mon cœur, le pire les gars, c'est que, en fait, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit et je m'attendais pas à ça. Mais j'ai mis le son du jeu au maximum. Oh là là, ah non mais je vous jure que là ça m'a fait flipper de malade hein. J'étais pas prêt. Parce que comme je vous ai dit, je connais pas le jeu. Donc je savais même pas qu'on pouvait avoir un jumpscare qui sort du tiroir. Oh là. Attendez, il faut que je redescende. C'est parti, la quatrième porte. Et je vous jure, maintenant, j'ai les mains, elles tremblent, là, j'ai trop peur. Oh là là, vraiment, c'est... Ah, j'aime pas les jeux d'horreur, les gars, j'aime pas, je vous jure, c'est pas mon truc. J'ose plus ouvrir les tiroirs, maintenant. Ok, on a une grille. Oh là là, et non, mais je vous jure, là, mon cœur, il est monté. Bon, si je vois que vraiment vous aimez que je joue à des jeux d'horreur, peut-être je referai, mais alors c'est vraiment si on atteint les 2000 likes sur cette vidéo. Hein. Parce que là déjà, j'ai tellement flippé, j'ai peur de continuer. J'ai pas spécialement envie de faire un deuxième épisode. Mais bon, 2000 likes, je veux bien tester peut-être un autre jeu d'horreur. Mais là, oh là là, en plus je vous sors la vidéo le soir. Oh là là, j'ai même eu peur du grillage. Je vous sors la vidéo le soir, comme ça vous flippez un petit peu avec moi. Mais oui, par contre, mettre le son du jeu au maximum, c'était la pire idée que j'ai jamais eue. Bon allez, je suis un bonhomme, je vais pas descendre le son. Du coup, je crois qu'il faut remonter là, on a débloqué le... Oh là là, non, s'il vous plaît, j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un bruit qui toquait. Oh là là, oh là là. Ce tableau a pour nom en retard au travail, d'accord. Je comprends pas trop le but des tableaux. Oh là là, je le sens mal cette porte, parce que souvent, je crois quand on ouvre des portes, il peut y avoir un gros truc qui fait flipper. Je me cache les gars. Oh là, pourquoi il y a un bruit? Ok, non, j'ai halluciné. J'ai totalement halluciné, c'est parti. Là, on est dans une très grande pièce. Oh là là, en plus, je sais même pas à quel moment je suis censé aller me cacher ou quoi, vraiment. Je connais rien au jeu. Je le découvre, donc ceux qui le connaissent, je pense que vous allez bien vous marrer quand vous entendez les bruits qui veulent dire qu'il y a un monstre qui arrive. Parce que moi, je vais rien comprendre. Ok, allez, allez, je m'attends à tout, là. Oh là 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 là. Oh là là, la porte, elle s'ouvre bizarrement, j'ai déjà peur. On ouvre ça, je crois pas que je dois aller plus loin. Ou bien, si. Oh là là.
Ok. À tout moment, vous êtes autant en stress que moi. Franchement, ça me ferait plaisir. Parce que là, j'ai l'impression que je suis le seul à avoir peur. On va ouvrir le grillage. On va de nouveau aller au fond comme avant. Je sais pas si c'est utile vu qu'on a déjà eu le levier. Ok, c'était totalement débile. Non, franchement, je préfère clairement jouer à Stumble Guys. C'est vraiment un jeu qui est plus fait pour moi. Oh là là, mais bon, vu qu'on se retrouve sur la chaîne secondaire, je voulais vous faire plaisir, mais oh là là, le premier jumpscare, il m'a fait trop flipper. J'ai peur maintenant, les tiroirs. J'ai peur, en fait, c'est le son aussi, il est tellement fort. Oh, ouah, c'est quoi ça, les gars? Pourquoi il y a les armoires qui tombent? Oh là, et mes mains, elles sont mais tellement moites. On va d'abord aller ouvrir la porte là-bas. À tout moment, on trouve un petit briquet ou je sais pas, une lampe torche. Oh, let's go. Maintenez E, ok. Oh non, il nous faut une clé. Il nous faut une clé, ok. Il faut trouver une clé pour ouvrir ce coffre-fort. Ok. Mais même ça, ça me fait flipper alors que c'est moi qui l'ai activé. Oh, ça doit être là-dedans. Ça doit être là-dedans ou j'ai déjà ouvert peut-être. Ok, il y a des petites pièces. Je sais même pas à quoi elles servent les pièces. Mais non, c'est pas là-dedans. Oh là là, j'ai entendu un bruit, les gars. Ok, là-bas. Là-bas, il y a des petits tiroirs. C'est sûr qu'il y a la clé là-dedans. C'est sûr qu'elle est là-dedans, s'il vous plaît. Non, elle est pas là-dedans. Bon, bah tant pis, j'arrive pas à la trouver. On passe à la prochaine porte. Pourtant, j'aurais bien voulu ouvrir ce coffre. Ok, bon, par contre, on est à la porte 14. C'est plutôt pas mal. Oh là là, il y a beaucoup de portes là. Il y a beaucoup de portes, ça me fait flipper. Ok, on peut se cacher sous le lit. On peut se cacher sous le lit. Mais s'il y a un monstre, c'est impossible que j'ai le temps de me cacher, hein. Oh là là, à la limite dans l'armoire, mais c'est si vraiment j'ai le temps. La petite cheminée, y a pas quelque chose qui est caché dedans. Ok, non, il nous faut une clé par contre. Il nous faut une clé, les gars. Oh là là, le bruit de l'horloge. Ok, là, y a rien, rien. On ouvre le deuxième tiroir. Oh là là, mais ils sont tous vides. C'est quoi ces radins, à part des petites pièces là, mais je sais pas à quoi ça sert. Eh, mais pardon. J'y reviens toujours pas comment j'ai flippé avant. Ok, là par contre j'ai vu un truc à droite, je suis pas allé exprès sous le lit, c'est quoi ça? Ok, je comprends pas à quoi ça sert. À tout moment c'est un truc ultra important. Mais ouais, ok. Là dans l'armoire, la bibliothèque, je crois y'a rien. Ok, oh là là. Déjà rien que le fait d'ouvrir ces portes. Oh, une lumière bleue. Me dites pas que ça veut dire qu'il y a un truc méchant. Oh, la clé, let's go. Et en haut, un pansement. Oh, comment ça un pansement? Pourquoi j'ai besoin d'un pansement, les gars? Je vais me faire attaquer, c'est ça? Ok, porte numéro 15. Déjà, bah c'est mon record, hein. Je suis jamais allé à n'importe quelle porte, à part la porte 1. Donc, ok, c'est ce qu'on va voir. Oh non. Les gars, il y a la lumière, je me cache. Je me cache. J'entends un bruit. Ok, je crois que c'est safe. Je crois que c'est safe. Non, j'entends un bruit, les gars, j'entends un bruit. Ah, wow, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Dégage de là, t'es sur mon chemin. Réussissez à survivre à rush. Ok. Mais je peux sortir ou pas? C'est quoi ça, les gars? Je peux sortir? Les gars, je comprends pas ce qui se passe. Je sors, je sors. Ok, je vois rien. Je me recache, je me recache. C'est quoi ça? Ah, peut-être je dois pas rester dans l'armoire. Ok, ça doit être ça. Ok, mais je vois rien, je vois que dalle. Mon écran, il est totalement noir. Non, mais je vois vraiment rien par contre. Je sais même pas. Je suis quoi là? Je suis dans une armoire encore. Ok, là, il y a la porte numéro 17. Oh, il y a de la lumière. Il y a de la lumière. Merci. Oh là là, je crois que le jeu, en fait, la lumière bleue, c'est pour nous aider quand on est vraiment trop paumé. Quand on est trop nul, ils se disent, bon, franchement, lui, il sait vraiment pas comment jouer. On va l'aider. Ok. Bah là, je vois toujours rien, en fait, quand c'est dans le noir. C'est dur. Ok, il y a une porte là. Il y a une porte qui est déjà ouverte. Ok. Ah non, mais je vais en arrière. Je suis totalement paumé. Ok, là, numéro 16. Ok, c'est bon. On est au bon endroit. Oh, c'est quoi ce bruit? Pourquoi il y a un pst? Oh là là, c'est quoi ce... Oh, oh là là, je me suis fait attaquer. Mais ça... Ah non, mais... Attendez, il faut que je redescende. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on a un jumpscare, on a le temps de s'en remettre. Oh là là. Oh là là. Oh là là. S'il vous plaît, là, abonnez-vous à la chaîne pour ce que je fais pour vous. Hein. Oh, j'ai trop peur qu'il y ait un deuxième truc. Il est beaucoup trop long, le chemin. Ok, on avance. On ouvre les petits tiroirs. À tout moment, il y a un bon truc. Non, il y a que dalle. Et j'ai limite mal à la tête tellement ça me fait flipper. Hein. Ok. Ok. Le bruit est très fort de l'orage. J'entends la pluie. Oh, par contre, ce que je suis pas prêt, c'est si un monstre il va me poursuivre. Oh, je pense que je vais pas bouger. Hein.
Je pense que je vais pas bouger, les gars. Oh, un coffre. Let's go. Non, il faut encore une clé. Mais j'ai pas les clés. Ok, des tiroirs. Allez, donne-moi la clé. Non, y a rien. Ok, peut-être dans les valises comme ça. Non, je peux pas les ouvrir. Ok, porte numéro 20, les gars. Par contre, on se rapproche de la porte numéro 100. Je sens le jumpscare. Hein. Dans les longs couloirs comme ça, je sens vraiment un truc qui va apparaître. Mais en plus, on s'y attend tellement pas. Et le son du jeu, il est clairement trop fort. Hein. Ah oh, pardon pour les gros mots, mais là. Oh là là, mauvaise porte. Oh là là. J'en ai perdu. Oh là là. Oh, ma crédibilité qui en prend un coup. Par contre, je crois que j'ai plus beaucoup de vie. Normalement, j'ai mon inventaire là. Comment je l'ouvre? Non, c'est pas ça. Bon, je sais pas, parce que normalement, on avait récupéré un pansement. Mais apparemment, ça sert à rien. Ok, je me cache. Je me cache. Les lumières, elles font des trucs bizarres. Oh là là, j'entends des bruits à droite. Oh! Non, il a de nouveau éteint la lumière. Oh, il abuse. C'est le monstre qui éteint les lumières. Je suis de nouveau perdu, les gars, je vois rien. Encore un placard. Ok, des tiroirs. Oh, des pansements. Il y a un pansement, les gars, il y a un pansement. Let's go, ça m'a redonné de la vie un petit peu. Ok, porte numéro 23. C'est quoi ça? C'est d'où je viens, j'imagine. Ok, ouais, je... je retourne encore une fois en arrière, je comprends jamais rien. On a la porte numéro 23. Oh là là, je vois rien. Ok, on passe dans la porte numéro 23. Je vais avancer tout droit, mais ouais, c'est impossible. Oh, oh là là. J'ai eu peur à cause d'une porte, les gars. J'ai eu peur à cause d'une porte. Elle s'est ouverte toute seule, parce que oui, elle s'ouvre toute seule, les portes. Oh, j'ai flippé. Oh là là, ces bruits là, j'aime pas. Oh, j'ai envie de finir ce jeu, les gars. J'ai envie de le finir et retourner sur ce mode, guys. C'est clairement pas la même chose. Le tableau, il fait quoi? Ce tableau a pour nom station, d'accord. Intéressant. Oh. Ok. Ok. On va ouvrir tout ça. Ok, il faut que je montre à ma communauté que je suis un bonhomme. Oh, oh là là, je suis mort contre dupe. Je sais pas qui c'est. Oh. En vrai, je suis content de l'avoir fini, les gars. J'en pouvais plus. Oh, c'est la vidéo la plus dure que j'ai dû faire, hein. Oh là là. Là là, on est de nouveau au menu. On est quand même arrivé à la porte 27. C'est vraiment pas dégueu. Je pourrais ressusciter avec mes pièces. Mais non, merci, les gars. Ah non, c'est des Robux. C'est des Robux. Allez, je rentre à la maison. Franchement, c'était marrant parce qu'au moins, pour une fois, on a fait un petit peu autre chose. Mais c'est pas pour moi, ce genre de jeu. En tout cas, si t'as kiffé, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, va voir toutes les autres vidéos. Et moi, BG, je te souhaite une bonne journée. Ciao.